Ok, coucou. Ma vidéo, première vidéo officielle. Ils ont tout été édités ici. Ma première vidéo officielle ici. Tu sais, on dit souvent que les Québécois, ça parle fort. Mais comme, il y a une limite à tout, là. Genre, ici, ça chuchote. Ça fait quand même pas genre live. Tout le monde a. Quatre José. C'est le livre qui est disponible pour Walt Disney en 5e année. Je l'avais jamais utilisé parce que j'avais pas la force de l'utiliser, je le trouvais trop beau. Mais là, je me suis dit que c'était important que je pouvais l'utiliser. Même si j'écris encore tellement mal, genre ça fait mal aux yeux. Là, c'est comme jour 1, mais comme de mon expérience, qui est journée complète d'avion. On va être franc. Hein? Surtout avec le décalage horaire, ça fait comme, oh, j'ai perdu 6 heures. Ok. Ouais, j'ai même fait un beau dessin. Fait que là, première affaire qu'on a faite aussi, il manquait de place le matin même. Quand j'ai mon sac de voyage, je fais comme. Mon sac de, avec moi, là, je fais comme. Oh, c'est pas tout rentre. Fait qu'il a fallu que je. De tout mon cœur. Il a fallu que je sorte mes souliers d'amis. De mon bagage. Puis en plus, aujourd'hui, j'ai réalisé que j'aurais pas dû. Que j'aurais dû sortir mes souliers noirs. Parce que finalement, à l'école, j'avais pas besoin de mes souliers noirs. Mais je peux pas le savoir d'avance, mais genre mes profs là, ils m'en connaîtraient même pas s'ils me croisaient dans la rue. Parce que j'ai porté tout le temps en Italie. Ok. Elle me trouvait vraiment drôle en Italie, les profs c'était pas drôle. Puis aussi, la gang, à propos de la sauce piquante, je me sens mal. J'ai même une amie qui m'a dit, là, tu t'as acheté la sauce piquante, ou je suis comme, je l'ai pas acheté, je me sens mal. Je veux pas les faire croire que je n'aime pas leur bouffe. Fait que je mange la bouffe, je suis comme, c'est bon, mais la super meilleure piquante, mais c'est bon, là, c'est très bon la gang, c'est correct. Première chose, c'est bon. C'est bon. On arrive. Et j'ai rendu 7h20 quand on arrive à l'aéroport parce que mon vol est à 10h20. Ok? Fait que là, on arrive. Puis là, on fait la première affaire parce que j'avais pas réussi la journée avant à m'enregistrer sur mon vol. Ce que je fais d'habitude. Bref. Mais là, il était marqué qu'il fallait un visa. Mais moi, j'ai pas encore mon visa. Fait que là, j'étais comme, tu sais, sûrement que rendu sur place, on pourrait faire quelque chose à propos de ça. Fait que là, on arrive sur place, on dit, ok, ben c'est ça. Nanana. Ok, est-ce que je peux avoir un visa? Je suis comme, non, on l'a pas. Faut que tu annules ton vol de retour parce que si on te voit partir 10 mois puis t'as pas un visa pour 10 mois encore, ben ça fonctionne juste pas là. Et je me dis, ok. Ben faut vous appeler Lufthansa parce que c'était avec Lufthansa que vous avez réservé. J'étais comme, ah ouais, ok. Bon, là, ben, on a commencé avec le numéro. C'est pas ce numéro-là, on a essayé le bon numéro. C'était pas celui-là. On a essayé le troisième numéro. Le troisième numéro, c'était bon, mais ça a pris une heure quand même. Pour se rendre là, puis après ça, tant mieux d'attendre au numéro, parce que là, genre, il fallait qu'il fasse affaire. C'était quand même très long. C'était quand même très long. Juste pour le numéro, c'était vraiment long. Puis c'est parce que moi, j'avais pas la fonction de la nuit directe. À la deuxième, quand je suis allée, c'était genre ça. C'était comme, là, c'est la première fois. Il y a quelque chose qui marche pas dans ton dossier, mais je vais m'arranger parce que je suis nouvelle ici. J'étais comme, ok, je pense que c'est cool que je t'ai eu. Parce que peut-être ça a été plus difficile. Big love. On l'a eu. Merci beaucoup, maman, encore, vraiment. Salut, ma mère, vraiment, c'est nerveux le début du voyage parce que là, ça stressait. Puis on va faire comme ça dans l'arrivée à chaque aéroport. Mais pour vrai, du moment que tu fais la première, ça va vraiment bien pour elle. En tout cas, ça, je me dis. Fait que là, il voulait me laisser passer. Finalement, c'est correct. Je m'enregistre à 8h45 à la place de 7h30. Grâce, bravo. Fait que là, c'est ça. Fait que là, je mets mes valises. Puis là, je laisse mes parents. On prend ma mère, on prend une petite photo. C'est cool, merci ça d'être venu. Merci mes parents. Aux douanes. Je traverse les douanes. La gang, je me fais arrêter aux douanes. Là, je suis comme, ok. De toute façon, j'ai rien dans mon sac. Ils sont mes bonbons. Mais genre, parce que j'ai emmené des bonbons pour ma famille d'accueil. Et ils m'ont sorti. Ils ont genre. Genre, pourquoi? Ils m'ont sorti mes bonbons. Ouais. Mais ils ont donné. Mais là, le gars, il a regardé mes bonbons d'érable en forme de pomme de feuilles d'érable. Il regarde. Je veux dire, bro, tu t'habites au Québec, là. Genre, tu dois savoir c'est quoi. Puis, regarde.
Là, il est comme, il va voir l'autre gars qui est aux caméras, genre, qui check tous les bagages. Il fait comme, je suis comme, je pense que c'est correct, je pense que c'est correct. Ensuite, je l'emmène dans mon sac, je pars. Puis le pire, c'est genre, j'ai sûrement quelque chose de pire, hein. Genre, sûrement que c'est pas ça qui ont scanné, je peux pas croire que c'est mes bonbons. Genre, c'est peut-être genre, un crayon. C'est quelque chose de pointu, je sais pas. Là. Je suis comme moi qui m'ont volé tout à l'heure, parfait, il est à 10h25. 10h25, je suis comme parfait. Là, je suis allée en face, j'ai acheté un autre prosdéra. J'ai acheté trois petits trucs de même pour les donner parce que, come on, like, that's the best thing about les rats. Très dans ce magasin-là, je repasse devant le truc, puis je fais comme je vais checker encore mon vol pour rentrer vérifier. Ben, il y avait 40 minutes de retard. Là, j'étais comme, good thing I checked. Fait que là, good, ben, je suis comme, ben, j'ai encore plus de temps à perdre. Fait que c'est pas grave que j'en ai perdu autant de douane, au douane. Avant, à l'enregistrement, j'étais comme, parfait. Mon seul. Alors, what do you want me to do? J'ai commencé où ça arrive? Shout out to the book. Et merci, Marjo. Je m'assis dans l'avion. J'entends la bonne me parler en avant. Fais les petits signes. Bord, droite, cas. Faites attention en sortie, tomber, respirer, attacher. Ça a pris 3 secondes et quand je dormais. Je sais pas, là. Genre, ils ont juste le vol, on va être 1 heure et 2. Parce que fait de Québec à Toronto, j'ai rompu ma vie. Genre, je dors ma vie. Je me dis, ok, sinon, je serais juste, ok, let's get out. Parce qu'en plus, il y avait un petit retard, il y en avait qui étaient pressés de sortir. Parce qu'il y avait des correspondances. Moi, j'étais comme, en fait, j'ai pas lu que la mini et je vais juste sortir avec vous. Finalement, je suis sortie. Il était 5 heures plus tard, j'étais comme, de toute façon, c'est pas grave. Il y avait pas beaucoup de monde dans l'avion, c'était un petit avion. Personne n'a raté son avion. Puis personne n'était trop juste. Mais je n'avais pas ces cartes-là. Après ça, j'étais arrivée, j'ai regardé mon vol. J'ai cherché pendant 3 heures parce qu'il était pas genre là, il était pas dans la deuxième télé, il était pas là. Il était dans la cinquième. Il était caché dans la ville, à Munich. Parce que je m'en allais en Allemagne. Mais c'est ça, il était à 5 heures. Fait que là, j'ai vraiment niaisé, par exemple. Genre, j'étais au fait. Puis là, je me suis rendue à mon truc. C'était quand même un peu long parce que l'aéroport était grand. Mais moi, Toronto, c'était grand. Mais Munich, genre. 100 fois, genre plus là, c'était insane, mon gars. J'étais comme. Ok, t'as peur. Bref. Je continue à croire le livre, j'écoute la musique, j'écris, j'ai commencé genre une histoire. J'avais. J'ai rien à faire. Ok. Là, je regarde mon billet comme du monde. Je suis dans la section 2. Mais non. À 5 h, quand j'apparais dans l'avion, je suis dans la section gold. Après avoir 3 bains à côté de l'autre, il y en a 2. On est plus large, on a des bras, on a là, un an. Tu sais, à la place d'avoir le truc qui descend et qui tire par en arrière, hein, ben, t'as juste une petite affaire. Genre, tu cliques sur le bouton, tu sors, t'as pu, tu sais. T'es comme. Ton bain descend genre 3 fois plus, t'es comme. Genre, tu tombes bien pour près là, genre, tu te réveilles pas parce que ta tête est tombée par en arrière juste parce que genre, t'avais pas de place. Oh my god, t'as pas wait! Très tard rentrer dans l'avion, on reçoit une serviette mouillée. Je suis comme. Genre, limite, j'étais comme, pourquoi j'ai fait chaud là? Je la veux pas là, c'est une serviette chaude, je le savais là. Là, j'avais une serviette chaude, j'étais comme, bon, j'ai quand même la prendre, je suis ici une fois dans ma vie. Là, j'étais comme, oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, mais au moins ça fait du bien. Elle était crasseuse en attendant dans un aéroport. Oh, avec le petit clavier de petite main, elle était comme, ah, ok, dans l'avion. Puis on part, ça prend 3 secondes d'écart, ils ont passé. Ils ont donné un petit pretzel à tout le monde. Ben, dans notre section, en tout cas, je sais pas si c'était à tout le monde là. Ils ont dit, collation, est-ce que vous voulez un pretzel? Puis genre, le gars, il a commandé, genre, fous les mains. J'ai commencé d'une. Je suis désolée. Il y avait fou l'acteur connu. J'ai fait comment c'est tout sûrement bon. J'ai pas suivi pantoute. Je me suis endormie à moitié la gueule. Imaginez. Genre, pourrais je dors pas sur les films. Mais genre, j'étais claquée. Je sais pas pourquoi. À un moment donné, dans le film, on reçoit notre repas. Je pensais que c'était genre un repas comme d'habitude. Mais non, ils nous donnent un menu au début. Ils sont comme menu. Je suis comme what? On avait 2 choix de viande. C'était genre des plus vrais trucs. Tu sais, genre, d'habitude, c'est genre. Pâte ou poulet, bœuf bourguignon ou genre poulet ou champignons, genre. Mais genre plus fancy, là. En tout cas, puis là, on les reçoit. C'est un plateau plus large. C'est des bols en porcelaine, la gang. Genre, j'étais comme.
Après ça, un rouleau d'ustensiles. Fait que genre, j'écoutais mon livre à moitié. J'écoutais mon film à moitié parce que je mangeais en même temps. Ou genre, j'écrivais, continuais mon histoire, je sais pas, là. Là, je dors. Jusqu'à qu'il reste 1 heure et demie de vol. À 1 heure et demie, je me fais réveiller parce qu'il porte des collations. Genre, tu sais, les petits croissants puis yogourt. Mais t'es comme, ah, c'est vrai. Il est genre 7 h du matin, puis genre, dans ma tête, il est minuit. Which was what it was. Genre, j'étais comme, genre, moi, je partirais pour ma nuit. Mais non, en fait, la nuit, je venais de dormir 5 h, c'était ça. Ça, c'était ma nuit. Puis là, c'est le matin. Là, c'est le matin, la gueule. On est prêt. J'ai commencé le meilleur film ever. Personne m'avait dit, Mario Bros. Marie-Houle, Marie-Houle. J'ai tellement dû le finir, mais genre, j'ai commencé. Après mon déjeuner, fait qu'il reste 1 heure. Puis sur un ami, après. Très bon. On est rendu le lendemain. Là, je me suis dit, là, j'ai 1 heure et demie avant mon prochain vol. Peut-être que je vais avoir 1 heure et demie à perdre. Parce que je sais pas à quel point c'est proche, mais genre, je vais aller m'asseoir à ma gate. C'est tout ce que je fais avant. Fait là, je vais à ma gate. Je prends genre un train dans l'aéroport. Genre, j'ai marché ma vie. J'étais genre sur des petites, les affaires qui avancent toutes seules, genre à ligne droite. J'étais genre full longtemps. Puis je marchais dessus. Genre, montée, descendue, montée, descendue. Oh my god, people, est immense. Après ça, genre, j'ai voyé quand même la plus petite des avions presque dans l'aéroport parce qu'on s'en va dans la. On s'en va à Debrecen. Et genre, c'est plus petit que Québec, mais genre, de genre 3 fois plus petit. Genre, c'est tellement mini, il n'y a même pas de gros salon. Genre, tu rentres, t'as ton avion à l'école, tu descends les marches de l'avion, même pas dans une truie. Bah, le petit vol entre Munich et Debrecen, c'est genre 1 h 10, gros max. Là-bas, on a reçu de l'eau. J'étais à cause de la musicienne, le gars, c'est un fou, là. J'aurais écouté ça. Il disait ses trucs, il était comme ça, là. J'étais comme. Puis ils m'ont donné le chocolat. Pour la route. Dans l'avion. Chocolat très bon. Mais c'était dit, thank you. That was good. Puis guys, à Air Canada, les déjeuners sont trop petits, genre, tu veux quoi, mourir de faim. Ouais. J'ai ramassé mon bagage, j'avais un truc de bagage. Mais le temps que j'avance, je me suis dit, oh, mes bagages vont débarquer, ça va te prendre un petit moment. Fait que je vais aller aux toilettes. Je sortais des toilettes, il n'y avait plus personne. Tout le monde dans l'avion a déjà ramassé un bagage. La truc qui roulait avait arrêté. Il y avait juste mes valises dessus. Ça m'a pris 3 minutes gros max à la toilette. Hey, c'est une mini aéroport. C'était vraiment hot. Puis là, je ramasse mes valises. J'ouvre la porte. Je sors déjà là. Genre, ma famille d'accueil. Puis eux qui vont m'héberger les 2 premières semaines. En gros, time out. Je me fais héberger par d'autres personnes pour les 1-2 premières semaines. Parce que la fille à la famille d'accueil qui a fait l'échange, elle l'a fait l'année passée. Puis là, il faut qu'elle passe ses examens là, pour pas qu'elle recommence l'année. Elle a dit, j'ai besoin de me concentrer. Fait que tu viens là quand je vais avoir terminé l'examen. Je suis là, parfait. Fait que là, je vais dans ma vie. Et genre, ils étaient tous là, ils m'ont dit bonjour. Ils ont dit, on a même pas le temps de tenir nos cardboards. Ah, coucou. Time out. Abonnez-vous à ma chaîne. Pour me faire de l'argent, il me faut 500 abonnés. J'ai checké toutes les settings dans YouTube. J'étais comment, je pourrais regarder, je n'avais rien à faire. Aussi, j'ai écrit sur ma dernière vidéo, il y a une moyenne de 3 minutes d'écouter sur 6. Je trouve que c'est pas une bonne moyenne. Vous pouvez faire mieux. En plus, vous écoutez sûrement même pas ça. Mais c'est pas grave. Je le fais pour les gens qui veulent l'écouter. Je le fais pas pour tout le monde. Je le fais pas pour de l'argent. Genre. Who cares? Who cares? Bon, je vais juste mettre un vidéo. Tout le monde qui veut l'écouter, regarde. Puis sinon, arrêtez de me poser des questions, la gang. Il est là. Thank you. Je voulais juste vous dire, suivez-moi si vous le voulez. Mais je suis pas mal que vous écoutez 3 minutes de mon vidéo de 6. Genre, ça me dérange pas. Ok, je te disais. Truc, parce que la première, quand je t'arrive, elle a dit, plutôt pour dans ça, c'est non. Genre, je vais faire comme, mettez ça sur vos crêpes, la gueule. Parce que si j'ai pas les crêpes, ok. Faut pas que tu sois aimé, c'est dans une autre vidéo sur la bouffe. Ah ouais, là, j'appuie en anglais. Ok. Hey, by the way, là. Je peux aller une fois aux toilettes en 8 heures. Le gars, ça avait l'air d'un pro des avions. Il était vraiment bien canté, là. De toute façon, j'ai pas eu le temps à vie. J'ai dormi tout long presque. Fait que j'étais comme, ok. Voici mes vols. Ciao, ciao, la gang. On se parle du 21 juillet à ma première journée. On m'a dit, bientôt. À la prochaine, partout. 1, 2. Hey. Ok, neige. Je vais juste arrêter.